Bonsoir à tous. Je suis vraiment très content de, de vous retrouver encore une fois pour vivre ces temps de, de partage autour de ce thème de heureux d'être un disciple. Merci à tous en tout cas de votre participation dans les églises, dans les groupes de maison et puis aussi chez vous. Merci pour ces moments de, de chat que nous pouvons avoir aussi euh, chaque soir. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant et édifiant de pouvoir partager comme ça euh, tous ensemble. Alors hier, on a vu avec euh, Romina vraiment un Dieu. Différent, un Dieu qui nous appelle, qui nous appelle au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur. Un Dieu qui, qui prend soin de nous et qui nous invite à prendre soin des autres. Un Dieu qui nous dit que si je prends soin des autres, eh bien, ça m'aidera aussi à être heureux. Alors ce soir, on va continuer dans, dans cette exploration biblique, dans cette exploration de ce thème de heureux. Je vous invite simplement à, à prier quelques instants. Mon Dieu, merci en tout cas de nous rassembler encore une fois. Merci de tes bénédictions. Merci de tout cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Et qu'encore une fois ce soir, nous puissions être remplis de toi, remplis de ta présence au plus profond de notre cœur. Que ce travail de construction, que ce travail de, de changement en nous, eh bien, tu puisses le faire Seigneur et que nous puissions devenir tes enfants. Amen. On a tous étudié à l'école un thème, un thème difficile qui est la guerre mondiale. Et je voudrais commencer ce soir en parlant de, de cette seconde guerre mondiale. Alors, vous avez sûrement étudié les manuels, peut-être vu et entendu parler de ces personnages célèbres que sont De Gaulle, Churchill et, et tant d'autres, de ces personnages qu'on a présentés comme des héros de cette guerre. Peut-être parfois vous avez eu un grands-parents ou quelqu'un dans votre famille qui a parlé, qui a vécu ces événements. Parfois, il y a des pleurs, parfois, il y a des silences quand on parle de cette Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'évoque absolument rien. Peut-être que vous ne vous sentez pas impacté par cette histoire, ce bout d'humanité. Quand j'étais petit... J'entendais souvent dans ma famille parler de cette Deuxième Guerre mondiale. Peut-être parce qu'une partie de ma famille est d'origine alsacienne et que ça avait une couleur, une résonance particulière. Il y a trois ans de cela, mon papa est décédé. Et puis nous avons simplement fait des recherches dans nos papiers, fait du tri à la maison. Et nous sommes tombés sur ce petit livret, sur ce petit... Manuel, en fait, qui est un carnet de notes. Alors, vous le voyez par sa couleur, il est pas tout récent. Et je me suis dit, oh, le carnet de notes de mon papa, c'est génial. Il avait sept ans à l'époque. Oui. Mais lorsqu'il avait sept ans, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et mon papa a grandi dans ce pays qu'on appelait l'Alsace, qui avait été annexé et qui finalement était devenu l'allemagne à cette époque-là et mon papa était à l'école et lorsqu'on lui a distribué ce carnet de notes voilà ce qu'il y avait dessus et c'est vrai que lorsque nous avons trouvé ce document dans ses archives personnelles j'étais un peu terrifié c'était la première fois que je voyais ce symbole en vrai ce symbole je l'ai vu dans des films des fois humoristiques ou des fois plus difficiles ce symbole je l'ai vu dans les manuels scolaires. Mais là, j'avais ce petit ouvrage avec des notes, des appréciations sur le travail scolaire et puis ce symbole en première page. Ce symbole terrifiant avec tout ce qu'il symbolise. Mon père est né dans cette période très compliquée de l'histoire de l'humanité, dans un des endroits sûrement peut-être les plus compliqués aussi, puisque c'était une zone française qui finalement est devenu une zone envahie particulièrement et tous les habitants étaient considérés comme des allemands. Et donc mon père à l'école devait apprendre l'allemand, il devait répondre en allemand. Il n'était plus français, on lui disait tu n'es plus français. C'était une période compliquée et je me suis replongé juste dans ce bout d'histoire en m'imaginant juste ce qu'il a dû vivre. Quand on lui disait Chut, ne parle pas il y a un vrai danger à parler. Il y a un vrai danger à, à sortir le soir. Alors, c'est vrai, ces périodes de guerre, on en entend parler comme ça dans les manuels, à la télévision. Mais on ne le vit pas, nous, au quotidien, en tout cas pas en France. Mais on voit les effets de la guerre, on voit toute la difficulté, toute la douleur qu'il peut y avoir au travers ces guerres. La guerre, très peu d'entre nous l'avons vécue. Et on a du mal à se représenter ce que cela implique. Je voudrais ce soir vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui s'appelle Nicolas Winton. Cet homme est un véritable héros, même si ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il a sauvé pendant la Deuxième Guerre mondiale 669 enfants juifs, qu'il a permis d'extraire de, des camps de concentration. Alors qu'on était en Noël 1938, juste avant la déclaration de guerre, il devait partir en vacances en Suisse, simplement pour faire du ski. Et puis, un de ses copains à Prague lui a dit, ben, viens me donner un coup de main, il y a des gens ici qui ont de vrais besoins. Alors, il est allé à Prague avec son ami, et puis là, il a visité un de ses camps de réfugiés remplis d'enfants de, juifs. Et puis, touché par ce qu'il se vivait, ce qu'il y avait devant lui, devant ses yeux, touché par ses enfants, alors avec son ami, ils ont commencé à organiser des trains pour partir vers l'Occident, vers l'Europe de l'Ouest, et puis pour essayer de sauver un maximum de ses enfants. Et il organisa huit convois, huit trains complets, pleins de ses enfants. Et le neuvième, malheureusement le convoi le plus important n'a jamais pu partir 250 enfants ont été évacués dans des camps de concentration et n'en sont jamais revenus ce geste héroïque il est resté pendant 50 ans inconnu personne ne connaissait cette histoire et puis en 1988 sa femme m'a fait le ménage dans ses affaires et puis a retrouvé une vieille sacoche en cuir et dans cette sacoche en cuir, elle a trouvé un livre. Et dans ce livre, il y avait une liste d'enfants, des prénoms, des noms, des âges. Alors, elle n'en parla pas à son mari, mais elle amena cette sacoche avec tous ces noms d'enfants auprès d'un journaliste. Et je voudrais simplement maintenant vous montrer cette petite séquence vidéo. Alors, je suis désolé, elle est un petit peu vieille. Les images sont pas terribles, mais vous comprendrez ce qui se passe. C'est une émission de télé qui a été réalisée en Angleterre. Il a été invité, cet homme là, Nicolas, à, à venir à cette émission, mais il ne savait pas pourquoi il était invité. Il était dans le public, assis avec tout le monde. Et je vous invite juste à voir cette petite vidéo. Et on se retrouve tout de suite après. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. <laughs> and it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. one in our audience tonight who owes their life to nicholas wincham if so could you stand up please Ce qui me touche le plus dans cette vidéo, dans cette histoire, c'est juste le silence de cet homme. Vivre pendant des décennies après ces événements terribles, mais en même temps ayant sauvé des centaines d'enfants, ne rien dire, juste le garder pour lui, juste garder cette sacoche en cuir dans son grenier avec ses noms, comme un souvenir d'un acte héroïque, mais que personne ne connaissait. Je suis touché par cet homme par cette simplicité juste cet acte gratuit cet acte désintéressé finalement Alors le texte d'aujourd'hui il est simple il situe dans Matthieu chapitre 5 et au verset 9 Et ce texte nous dit heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu Je crois que je peux juste pas plus vous présenter ce que c'est qu'un artisan de paix que cette histoire-là. Un artisan de paix, c'est ce don simple, gratuit, mais en même temps terriblement engageant. Alors, oui, il y a des épisodes terribles comme ces guerres, mais nous n'avons pas tous l'occasion de vivre des actes héroïques comme celui de Nicolas. Mais il y a d'autres formes de guerre, des guerres du quotidien que nous pouvons vivre, par exemple, les conflits. Les conflits entre personnes, les conflits dans nos familles, les conflits avec nos conjoints, avec nos copains, nos copines. On se prend la tête, on se tape dessus, on s'insulte. Il y a des petits conflits du quotidien et puis il y a les gros conflits qui durent peut-être parfois des années. Alors comment les éviter, ces conflits Comment éviter ces guerres de notre quotidien Comment les résoudre Mais je crois que la réponse, elle est simple. Elle est dans ce texte. En tout cas, moi, je la vois assez simplement dans ce texte. C'est la deuxième partie de ce texte. C'est car nous serons appelés des fils de Dieu. Florian nous en a parlé un petit peu de cette notion d'héritage cette semaine. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est chrétien, tout est merveilleux, tout est parfait. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est des chrétiens, on n'aura pas de conflits. Non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que parce que tu es fils de Dieu, alors les conflits ne te toucheront pas ou ne te toucheront plus. Parce que tu es fils de Dieu, tu auras les moyens de résoudre ces conflits. Tu auras les moyens de trouver des solutions par rapport à ces conflits. Parce que tu es fils de Dieu. Tu arriveras à résoudre ces conflits. Voilà ce que veut dire ce texte. Ce n'est pas une promesse de ça n'arrivera pas. C'est une promesse de parce que tu es fils de Dieu, fils et fille, vous l'avez compris, alors les conflits ne seront plus un problème. La plupart de nos conflits naissent sur des jalousies. Je t'en veux parce que toi, tu as plus que moi. Tu as le dernier iPhone 23. On s'en veut. On est jaloux parce que lui est plus compétent que moi. Tu arrives plus facilement à faire ceci ou cela. Ou encore parce que moi j'ai des manques, parce que moi je n'ai pas reçu quelque chose. Les conflits sont dans quelques cas héréditaires. On les hérite de famille en famille, de génération en génération. Mais il y a une chose. Même si ces conflits, on peut parfois en hériter. Nous avons le choix. Tu as le choix. D'entretenir, de, d'alimenter ces conflits ou alors de dire stop, il y en a assez. De dire maintenant, j'ai envie de sortir de ce conflit. J'ai envie de, de sortir de cette démarche négative qui m'enfonce. J'ai envie de briser ces choses héréditaires. Nous héritons de nos parents, de la couleur de nos cheveux, nos yeux, notre morphologie, de plein de choses. C'est notre patrimoine génétique que nous avons reçu. Mais c'est exactement ce que signifie ce texte. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille. Tu es un fils de Dieu. Tu as reçu le patrimoine génétique de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Tout comme Nicolas avait reçu l'ADN de Dieu en lui. Et il aurait pu passer ses vacances tranquillement à faire du ski en Suisse et fermer les yeux sur ce qui se passait à l'autre bout de l'Europe. Mais il a choisi. Il a choisi de, de faire quelque chose, de vivre. Il a choisi de s'engager. Nous avons ce patrimoine génétique. Nous avons ce patrimoine qui nous vient de Dieu. Et nous avons le choix de faire différemment. Alors, tu es peut-être au volant de ta voiture dans la semaine et tu t'énerves parce que ça avance pas si vite, parce que le gars devant toi roule mal. Mais si tu as l'ADN de Dieu, tu peux fonctionner différemment. Lorsque tu participes à des commérages ou à des discussions sur des gens, tu as l'héritage de Dieu. Est-ce que tu le laisses parler, cet héritage de Dieu en toi? Les images négatives que tu as même peut-être de toi, que tu as peut-être reçues, qu'on t'a fait croire sur toi, tu oublies peut-être que tu es fille et fils de Dieu Je crois en Dieu. Même si parfois il est loin, même si parfois je peux avoir des doutes, mais il y a une chose sur laquelle nous ne devons pas douter. Malgré nos erreurs, malgré peut-être parfois nos dysfonctionnements, malgré peut-être parfois nos jalousies, nos querelles, nos guerres, en nous, il y a une chose extraordinaire. C'est le souffle de vie que Dieu a mis. C'est ça l'ADN de Dieu. C'est ça la vie que Dieu met au plus profond de notre cœur. C'est ça qui fait que nous sommes un être exceptionnel parce que nous sommes ses enfants. Et qui n'a qu'une envie, c'est de nous sauver, de nous mettre dans le bon train. Alors que Dieu t'aide à réfléchir, en tout cas, t'aide à prendre conscience de cet ADN extraordinaire qui est là, en toi.